que vous m'entendez bien. Bonjour Pascal, bonjour. Léa, merci, bonjour. Oui. Oh. 7h30, on a rendez-vous. Bon anniversaire. Pourquoi les gens aiment tellement dire aux gens que c'est leur anniversaire? C'est ton anniversaire et puis... Bon, bon anniversaire. Si ça va te donner l'argent. Ok. Donc je demande la grâce pour pouvoir parler. J'ai des nouvelles, des informations pour vous. J'espère que vous me recevez bien. Il y a un shift énergétique qui est en train de se passer actuellement dans votre vie. Vous avez longtemps attendu pour certaines choses. Vous avez longtemps patienté. Vous avez longtemps remis à demain. Et là, on vous dit que le moment est arrivé. Et... ce qui vous bloquait, ce n'était pas que vous ne connaissiez pas ce que vous avez à faire. C'était les attaches émotionnelles autour de vous. Et on a tellement abusé de vous, si bien que vous ne saviez même plus quel est le minimum. Comme on dit en anglais, what is the bare minimum? You don't know what's the bare minimum. Donc, genre, dans un monde où il n'y a que des infidèles, dans un monde où il n'y a que des mafiosas, des gens qui essayent seulement de t'abuser de toi, quand quelqu'un te donne même 5% d'honnêteté, tu prends ça comme 5000%. Alors que, dans un monde où tous les hommes peut-être traitent mal leurs femmes, ou bien toutes les femmes traitent mal leurs hommes, tu tombes sur un partenaire qui fait seulement un peu, tu te retrouves en train de le prendre comme Dieu. Alors que tu as le droit d'être bien traité. D'abord de ce qui m'intéresse avant que vous me veniez poser vos questions. Ma connexion, c'est là, c'est pas toi qui as mis dans mon téléphone. Tu as compris, non? Voilà, donc tu vas souffrir de m'écouter. Si tu écoutes et qu'on n'est pas sur la même vibration, ça veut dire que ce direct n'est pas pour toi. Donc, dans ce monde où le standard a été tellement rabaissé. Ce qui fait que les gens aujourd'hui ne sont plus exigeants. Les gens ne demandent plus. Les gens ne savent plus ce à quoi ils ont droit. Et en termes de devoirs, je ne t'en parle pas. Thank you.
Vous devez faire l'effort de rester ferme sur vos principes. Votre vie en dépend. Parfois, tu es toute seule. Voilà le minimum pour toi. Dans ton niveau de vie, tu rencontres quelqu'un. Pour le peu d'amour que la personne te donne. Seulement parce qu'il t'appelle le matin. Oui, bébé. Tu te retrouves en train de rabaisser tes standards. Tellement. Même dans une ville où on a 1 million d'habitants, il y a de bonnes personnes là-bas. Il y a des personnes qui peuvent te reconnaître à ta juste valeur. Les gens publient du n'importe quoi. Même si tu publies ta part, on ne voit pas. Hein. C'est pas parce que tout le monde publie des choses. On a trop rabaissé nos standards. Trop. Moi, j'ai des employés que j'ai renvoyés. Pas qu'ils ont commis des fautes graves. Mais tu donnes toute la formation. Toute la patience. Tout le temps. Tu vois que la personne n'a pas l'intention de s'améliorer. La personne ne veut même pas. Il dit, on ne peut pas aller quelque part ensemble. Mon magasin. 2 jours, 1 semaine, au lieu d'avoir quelqu'un qui est là et qui s'en fout de mes principes. Et parfois, vous dites toujours que ah, il y a des gens qui ont abusé de ta gentillesse. Abuser de ta confiance. Tu donnes tout. La personne ne voit pas. Et c'est comme ça que ça joue sur ton mental. Facebook, vous m'entendez mieux là? Facebook, vous m'entendez mieux? Et quand la personne joue sur ton mental, hein? À une époque, j'ai eu des personnes qui ont extorqué de l'argent dans mon entreprise. Et c'était tellement. Tu vois, tu travailles avec les. Ils ne voient pas les années dans lesquelles tu as souffert. Là, il n'y a que les chefs d'entreprise qui peuvent me comprendre. Ils ne voient pas l'argent que tu investis. Quand on dit payer la marchandise, c'est toi qui payes. Quelque chose se gâte, c'est toi qui payes. Il faut acheter un nouvel appareil, c'est toi qui achètes. La seule chose qu'ils voient, c'est les clients qui viennent te déposer l'argent. Donc, quand ces personnes ont abusé financièrement de l'entreprise, ils ont volé de l'argent. Ceux qui ne l'ont pas fait, j'ai pris ça comme une faveur qu'ils me faisaient. Tu imagines, tu emploies quelqu'un et tu prends le fait qu'il ne te vole pas comme une faveur. Gars, on est en train de jouer sur ton cerveau. Voilà. Lazare dit qu'il vient de virer son manager pour les mêmes raisons.
Ça, c'est ça. C'est de ça que je parle. Et le manager ne sait pas que... Tu le mets là-bas parce que tu dois aller chercher l'argent. Il faut que tu partes chercher l'argent ou que tu gères d'autres activités. Il arrive, il s'assoit. Le jour où il faut aller payer la marchandise, payer les employés. Dans mon payroll, je suis en train de monter après ce transfert employé. Quand le 5 du mois arrive, entre le 1er et le 5, ne me parlez même pas. Quand tu sors là-bas pour payer, personne ne va te dire, pour madame, ne me payez pas ce mois, vous voyez, c'est quand même notre entreprise. Non. Non. Attends, tu fais un business, tac, tac, tac. C'est 1 million entre. 15 millions entre. Même quand ça rentre, tu n'es pas obligé de leur donner même la prime. Vous savez, les employeurs souffrent beaucoup. Hein. Je crois qu'on doit avoir des psychologues pour les employeurs. On m'a parlé de... d'un monsieur ici là que les bus de son école, c'est lui qui part le dimanche soir à la station. Vous alignez, vous carburez, il paye. Parce qu'on lui a fait ça dur. Oui. On lui a fait ça dur. J'ai encore un autre comme ça. L'école où ma fille part. L'autre jour, mon petit qui enseigne là-bas, il me dit que le patron, le directeur de l'école, il a failli faire un infarctus à l'école. Si quelqu'un pense à être coach ou thérapeute, faites les thérapies de CEO. Les chefs d'entreprise souffrent. Tu voyages, tu laisses ton magasin, ta marchandise, ton activité. Parce que il a découvert que les cartes carburantes, il voulait faire comme chez les Blancs. On ne fait pas comme chez les Blancs en Afrique. Tu dois être plus wise que tes wise man. Moi, je sais que je parle le good talk. My talk is sweet. I'm talking good talk. Il a donné les cartes carburant. Ils ont détourné le carburant. Ils entendaient même avec les pompistes. Il déclare les pannes qui n'ont pas lieu sur la voiture. Tu achètes les bus en septembre 2023. Comment dans l'année les bus se gâtent tous les mois? Hmm? C'est ce qu'il subissait. Demander de l'intégrité de la part des gens qui sont autour de toi, que ce soit tes enfants, ton mari, ta femme, tes collaborateurs, ce n'est pas trop demandé. You're not asking too much. Si je te rencontre, on fait l'interview, on s'entend. Je te paye 300 000, 80 000, 2 000 euros pour que toi, en contrepartie, tu me rendes tel, tel et tel service. Ce n'est pas trop demandé. Parce que toi, de ton côté, tu payes, non? Tu te défends, tu te bats pour payer la personne. Tu ressens dit que ouais, voilà la fin du mois. Il faut que je paye mes employés. Ouais, il faut que j'honore, il faut quand même que... Il ne faut pas que mon mari manque de ça. Il ne faut pas que... Demander que ton mari soit fidèle. Ce n'est pas trop demander.
Bonjour, Ganjo. Il a... Merci pour tes ondes politiques que tu m'envoies. Demander à avoir un partenaire qui est vrai, qui est honnête. Parce que toi, tu lui donnes aussi l'honnêteté, la fidélité, la vérité. Ce n'est pas trop demandé. Bonjour Brigitte. Il faut savoir quitter les choses. Il y a des personnes que tu arrives dans sa vie. J'ai des anciens partenaires de business comme ça qui souffrent aujourd'hui. Ils souffrent copieusement. Correctement. Demander que quelqu'un soit droit et honnête avec toi. Ce n'est pas trop demander. Voici un arnaqueur qui est entré dans mon tiroir jusqu'à mettre son lien. Aïe, 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 aïe. Wonderful. Je n'ai pas encore vu ça. Un arnaqueur dans mon direct. Hey. Vous-même là, vous connaissez. Et hey, vois comment tu travailles. Les gens me menacent. Je ne sais pas comment les gens la font. Il y a des personnes avec lesquelles, avant que je n'entre dans. Il vivait dans des maisons sales, vieilles. Quelqu'un qui ne savait pas qu'il allait prendre l'avion un jour. Quelqu'un qui n'avait même pas la carte d'identité. Avec un vieux récépissé déchiré. Tu es dans sa vie. Vous commencez à bosser. Tu ne lui dois rien. Le truc avec le choisi, c'est que. Sans l'autre personne, tu peux évoluer. Mais l'autre personne sans toi, il est dans le trou. Et parfois, vous oubliez votre valeur. Parfois, vous oubliez votre valeur. Après, la personne se croit tellement. Elle détourne ton argent, tes clients. Quand tu confonds la personne, genre, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, soit la personne va dire que c'est moi qui t'ai fait être toi. Soit la personne va te dire, tu me dois trop. J'ai trop donné dans toi, j'ai trop investi. Aujourd'hui, ces personnes-là sont retournées au champ. Ces personnes repartent au champ. Elles ont maigri, noirci. Le frigo est vide. Il y a les gens que le frigo qu'ils ont chez eux, c'est un frigo que tu as mis il y a 5 ans. À l'époque, quand j'étais encore en Europe, j'ai une personne de ma famille comme ça. Avant que je ne découvre l'hypocrisie de la personne, tout ce que j'essaie de faire avec la personne, ça ne marche pas. Faisons même tes papiers pour que tu viennes. Pack. Ouais, faisons comme ça. Pack. Qu'est-ce que tu peux, on peut faire comme business pour que tu gères? Ça ne marche pas. Je me rappelle, j'ai envoyé des articles à la personne en 2012 ou 2013. Quand je me suis converti, j'ai envoyé mes choses à la personne. J'arrive au pays en 2017. 5 ans plus tard, je vois la personne accrocher ça comme le trophée dans sa chambre. Je dis waouh. Il y a les gens qui. Ils n'auraient même jamais eu le passeport à cause de toi. Ne simplifiez pas la main qui vous aide. C'est pour ça que je vois les gens qui. Je travaille sur toi.
quand tes choses commencent un peu à aller là, tu commences à me manquer de respect. Tu m'insultes ou bien tu me... pardon. 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 Tu n'es pas le Dieu de quelqu'un, mais... Parfois, l'ingratitude des gens vont te faire douter de toi. Le choisir a une notion qu'est... Tu montes, tu descends. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, la lumière entre dans sa vie. Tu ne connais pas les obstacles. Un obstacle pour toi, c'est juste quelque chose que tu t'entraînes bien, que tu vas sauter. Il y a des gens qui ne pouvaient jamais imaginer qu'ils allaient partir en Europe. Les voilà avec toi. Depuis que toi, tu es dans leur vie, ils sont en train de faire leur papier. Dans leur cœur, ils sont en train de se dire que dès que j'arrive en Europe, je l'abandonne. Ils ont menti. Ils ne feront rien de leur vie là-bas. Tu as laissé quelqu'un quelque part. Tu fais 5 ans, tu reviens. La personne est au même endroit, avec le même salaire. Et en 5 ans, toi, tu as fait des choses. Construit des maisons, fait des choses. Parce que tu portais l'onction. Connaissez qui vous êtes. Connaissez qui vous êtes. Et ne laissez pas les gens vous faire baisser vos standards. Cette bataille est spirituelle. Je vous parle de quelque chose qui est spirituel. Après cette vidéo, il y a des gens parmi vous que vous allez vous séparer de certaines personnes. Souvent, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, telle personne a abusé de moi. Telle personne a abusé de moi. Quand tu es en train de raconter, il écoute. Il écoute, il écoute. Demain, il te fait la même chose que celui dont tu te plaignais là. Hein? La même chose que cette personne. Oui, demande que tu n'as même pas vu comment la vie de la personne qui m'a fait du mal. Comment sa vie est bloquée? Parce que vous avez une protection angélique. Il y a des anges qui sont sur vous, gars. Si quelqu'un te fait du mal, quelqu'un te touche, il va dire leur. Et c'est pas de la blague. Parce qu'on te voit, tu es une petite comme ça là. Non. Il y en a parmi vous, vous êtes appelés. C'est seulement que tu n'as pas encore commencé. Actuellement, tu aides peut-être 20, 30 personnes. Mais tu es appelé à aider des milliers de personnes. Mais tu es en préparation. Il ne faut pas laisser les gens venir jouer avec ton cerveau. Pas finir les gens jouer avec ton cerveau. Parfois, tu peux être là comme ça, tu n'as pas. Mais tu sais que dans peu de temps, j'aurai. Ça peut être le peu de temps là, peut être 4 ans. Mais quand ça va commencer, j'aurai ce que quelqu'un obtient en 20 ans là, en 6 mois. En 6 mois, vous allez me voir. Tu achètes 3 maisons en 6 mois. Et la plupart de ces personnes qui n'avancent pas, leur cœur est noir. Leur cœur là n'est pas bon. Oui. Tu n'obtiens que ce qui est dans ton cœur. C'est ce que tu as dans ton cœur que tu obtiens. Oui. Je serai à Libreville dans 2 jours. La mère papillon, je ne t'aime pas dans mon direct. Tu as compris? Je vais te bloquer, je crois.
Si vous saviez comment c'est délicat. Se lever. Et ce que je vous enseigne, c'est valable dans le leadership à tous les niveaux. Que ce soit un footballeur qui veut prospérer demain, que ce soit un président de la République, que ce soit un ministre, que ce soit une femme qui a ses 5 enfants, c'est valable dans tous ces secteurs. Le leadership et le discernement. Bonjour Lisa, vous en avez besoin. Le leadership et le discernement. Parfois tu vois quelque chose, la personne t'embrouille. Et j'ai compris un truc, c'est que quand on dit que 99 jours pour le voleur, un jour pour le policier. Parfois, hein, les choisis connaissent ce que vous faites. Mais ils vous donnent le bénéfice du doute. Ils patientent. Ils attendent pour voir si vous allez changer. Oui, ils ont le cœur noir, voilà. Pourquoi ils nous jalousent, mais eux-mêmes ne valent pas. Ils ne voient pas qu'ils n'avancent pas. Est-ce que quelqu'un peut voir que c'est son cœur noir? Quand quelqu'un a le cœur noir, il ne peut pas voir. C'est comme si le cœur noir, c'est quelque chose que il n'y a que l'autre personne qui peut te dire. Comme ce n'est pas visible par l'autre personne, par la personne, comme le dos de quelqu'un. Est-ce que tu peux voir ton dos avec tes yeux? Tu peux voir à travers le miroir. Tu peux voir sur la photo. Et peu importe le nombre de blocages. On ne peut pas vous bloquer. On ne peut pas vous bloquer. Le jour où j'ai compris ça. Étoile, merci. Le temps de Dieu là. On vient, on te bloque. Tu essayes, tu essayes. Quand le temps de Dieu arrive. Ce que tu étais censé avoir depuis 10 ans là. En 6 mois. Pam, 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 pam. Mais... Parfois tes portes sont en train de s'ouvrir comme ça. On bloque. Tu veux te marier, on bloque. Tu ouvres le business, ça ne marche pas. Tu rames sur ça pendant 5 ans. En 5 ans, tu fais 4 activités. Après, le Seigneur te dit, tu pars, tu ouvres. 4 mois. Deux entreprises encore. Tellement ça passe. Il y a des gens qui me disent que je la maîtrise. Personne ne te maîtrise. Personne ne te maîtrise. Quand tu es un choisi et tu es dirigé par l'esprit, personne ne te maîtrise. Et c'est comme si l'une des premières étapes, l'un des premiers tests que tu dois traverser dans le leadership, c'est d'apprendre à lire les gens. Parce que dans notre entourage, nous sommes dans
ensemble des batailles spirituelles à religion. Tu rencontres quelqu'un, bataille spirituelle. Bataille spirituelle. Il y a les employés qui arrivent. Après le bain de pipi, on t'a fait des couches de nuit. Tu me dis maintenant pour que je fasse quoi? Il y a le kit couche de nuit. Ne me dérange pas. Tu as fait le bain de pipi, on t'a fait des couches de nuit. Ne fais plus alors le bain de pipi. Ok? C'est comme si tu dois apprendre à lire les gens. Tu dois apprendre à être patient avec les gens. Tu dois apprendre à donner le bénéfice du doute aux gens. Même avec les enfants. Hein. Parce que quand tes enfants grandissent, chacun veut te montrer son caractère. Et nos enfants sont souvent même. Kama, merci. Que Dieu me garde. Merci. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Parce que l'esprit est en train de beaucoup jouer sur les choix. On vous pousse pour agir. On te pousse pour quitter de la ville là où tu es. On te pousse pour aller aménager ailleurs. On te pousse pour créer ton entreprise. On te pousse pour lancer ta page en ligne. On te pousse pour aller faire. Il y a des choses qu'on te demande de faire. Bonjour Chantal, comment tu vas? Si tu n'obéis pas, tu auras de la peine. Et les gens que vous gardez parce que vous dites je leur dois, vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien à personne. Ils nous envient et disent que pourquoi c'est toujours elle. Moi je dis à ceux qui pensent à empêcher mon évolution. Ce que Dieu a mis sur ma route, personne n'aura. Mes grâces sont les miennes et personne ne les aura. Ils peuvent me ralentir, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien ne se fera. Ah, c'est bien. Esther, tu as suivi mon témoignage sur YouTube. Hein? Je dois update ce témoignage. Parce que ça fait ce témoignage je l'ai fait en 2019, ça fait 4 ans déjà, 20, 21, 22, 23, 24, 5 ans, oh my goodness. Waouh, cette vidéo date de 5 ans, voyez, cela 5 ans, je savais déjà là où je pars. Je dois en faire une autre version. J'étais déjà dans ma dernière année en Europe quand j'ai fait ce témoignage. J'ai fait ce témoignage en mars et je suis venu en Afrique en juin. Ouais. Tu as besoin de mon secours. Mes secours sont payants. Quelqu'un qui dit que je suis confus, j'ai besoin de ton secours. Le secours chez moi, il est payant. Donc il y a le service VIP. Le service VIP, c'est un contrat qu'on signe. Je m'occupe de vous chaque mois. Minimum de contrat, 6 mois. Voilà.
Si tu n'agis pas sur ce qu'on te met à cœur ces derniers jours. Et il y a même des jours où je vois quelqu'un que tu veux faire quelque chose. Tes collaborateurs te disent que non, attendons. Attendons, non. L'esprit n'attend pas. Tu dois savoir lire. Tu dois savoir ressentir. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui cherche le boulot. Et toi, tu cherches un employé. Bonjour, celui qui me suit du Nigeria. Toi, tu cherches un employé. Tu te lèves, tu dis que cherchez-moi. Et mettez la pub. Mettez la pub qu'on cherche un employé. C'est ça les connexions divines. Tapotez le direct sur TikTok. C'est ça les connexions divines. Il y a des jours, je reste comme ça dans mes employés. Non, madame, on doit faire ça la semaine prochaine. Je dis non. Aujourd'hui. Rose blonde, good morning. Not morning, good rising. Good rising, queen. Good rising. Vous devez savoir, c'est rare de voir un entrepreneur à succès. Je n'aime même pas le mot entrepreneur parce que c'est rare de voir quelqu'un qui fait ce qu'il fait et qui a du succès. S'il n'est pas connecté, s'il n'écoute pas, tu dois savoir faire. It's time. It's time. It's time. Allez, allez. It's time. Tu te lèves, tu fais. Tu as bien pour le temps de... Là où je parle de mon histoire. C'est vrai que je donne des détails là-bas que quand moi-même j'écoute ça à nouveau, j'ai honte de me dire, ah, comment j'ai vécu ça? Nadia, tu es au Bénin. Et tu as compris que tu es une élue. Ça, c'est super. Ça me fait plaisir. Les élus sont des personnes qui vont changer dans nos différents... Et les élus, généralement, ont plus de secteurs dans lesquels doivent agir. Tu peux être médecin comme ça. Tu as même encore 4 activités à côté. Tu vas seulement censé être dans un seul domaine. Ezako, ya. Ezako. Ezako. Attendez, j'ai un mot fou là. Grâce à mes vidéos, tu te prenais tes... Ok, tu prenais tes blocages pour des épreuves. D'accord. Je rends grâce à Dieu. Pas facile, mais aujourd'hui c'est parce que j'ai commencé tôt, j'ai échoué tôt. C'est pour ça que les gens voient, ils pensent que je suis jeune pour ce que je fais. Je suis pas trop jeune. Comme je disais, vous n'êtes pas censé faire seulement dans un seul domaine. Vous avez au moins 15 idées. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez déjà accumulé de la puissance spirituelle. Avant, il y a certaines de tes idées, de tes business que tu ne voyais pas comment c'était faisable. Et je vais prendre l'argent pour payer. Tu veux. Tu lagues, non. Tu ne voyais pas. Mais depuis un certain temps. Tu arrives à parler aisément de la chose. Je vous ai dit qu'on va faire des masterclass une fois par mois. Donc, préparez vos 100 000 francs pour assister à mes masterclass. Mais moi, ce cas, ce ne sera pas 2 000, ce ne sera pas 10 000. 100 000 francs. Chaque mois, tu dois faire des avancées. En 4 semaines, tu dois avancer ce que tu aurais pu faire en un an. Tu dois faire en 4 semaines. Donc, on les fera
le 7 juillet, le 8 août, le 9 septembre, le 10 octobre, le 11 novembre et le 12 décembre. 77 88 99 10 10 11 11 12 12. J'ai mis à 100 000 parce que je veux pas les pauvres dans mes masterclass. On commence à voir que je suis le président de mon pays. Et quand je sors là-bas, il dit, je n'ai pas l'argent. Je ne veux pas ça. Please. Please, oh. 100 000 francs, c'est 150 euros. Non, 152 euros avec les frais. 152 euros. Voilà. Préparez vos 152 euros pour mes masterclass. Ceux qui sont en VIP chez moi, c'est mes services VIP, il y en a que c'est 1000 euros le mois. Il y en a, c'est 1500 euros le mois. Il y en a qui sont à 500 euros le mois. Ça, c'est mes VIP. Voilà. Pour cela, on va bientôt. Je vais bientôt inclure ça dans le. Bien sûr, je vais inclure dans le truc. Voilà. Et il y a certains d'entre vous que je vous donne. Vous avez ma ligne privée, donc vous avez accès. Si tu dors, tu as des attaques ou quoi que ce soit. Tu as le droit d'avoir une urgence. Un travail d'urgence. Voilà. Et je sais que vous n'allez pas être dans mon inbox tous les jours. Parce que vous-même d'abord, vous bossez assez spirituellement, vous n'êtes pas. Vous êtes bien calé. Vous faites ce qu'il y a à faire. C'est ça qui me plaît. Voilà. Ok. Je ferai des réunions gratuites dans les pays où j'irai. Ces réunions auront lieu. Une fois tous les 6 semaines. Ok. Donc. Si je viens au Cameroun, on m'a dit le premier. La prochaine fois que je serai là pour avoir les réunions gratuites, ce sera sûrement le 15 du mois prochain. Parce que je dois aller dans. Je vais commencer à faire les rondes de. Thank you, Rose Blonde. If you're drawn to my teachings, it's not by mistake. Ce n'est pas du hasard si tu as. Je vous ai dit que le temps est arrivé. Les choisis sont en train de s'activer, de se connecter. Et vous devez reconnaître votre prophète. Know your person. Il y a des gens que si tu sais que je suis bloqué, tu sors 100 000, tu donnes en offrande là-bas. Si dans la journée, les choses ne sont pas résolues, c'est que tu es dans le mauvais ministère. Je vous parle des choses que moi, je fais. Localise ta paix. Même les gens qui sont dans les sectes ne vous peuvent pas vous toucher. Je vous dis. Et il ne s'agit pas seulement de parler. Parce que vous aimez. Il y a des gens que vous parlez, vous ne faites pas. Vous parlez, vous ne faites pas. You need to walk your talk. Walk your talk. Parle de quelque chose que tu fais. Et ne parle même pas beaucoup. Je n'aime pas les bavardeurs. J'aime pas les gens qui bavardent trop. Le seul endroit où vous me voyez bavarder beaucoup, c'est dans mes directs. Parce que je sais que je vais bavarder, vous allez écouter. Ça va me donner l'argent après. Il y a les gens devant qui. Les gens qui ne savent même pas que je peux parler. Ils me voient, on est en train de regarder, ils me regardent. Après le temps de partir arrive, je dis. Ok, bye. Okay. Quoi que ma salive sort comme ça. Je bavarde pas pour n'importe quoi. Il y a une des personnes sur lesquelles je travaille. Ouais, comment le moustique c'est bête, non? Tu veux t'asseoir sur moi, je te tue facilement comme ça. Ah, c'est la bosse. Moustique. Bon, ok. Merci pour le cœur. Donc, il y a une dame sur laquelle je travaille. J'aime beaucoup bagarrer avant de tuer les moustiques en passant. Ok? Bon. Continuons. Donc, il y a une dame. Je travaille et elle avait beaucoup de problèmes. When would you coming back to London?
Rose blonde. I will keep that in mind, okay? I'll stay at your place when I come to London. Yeah. Thank you. It's just that there's so much to do in Africa at the moment. So much. And honestly, every time I think about going back, en passant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et il fait une agence de voyage, je ne refuserai pas si tu viens, je te paye, tu fais mes papiers. Vraiment. Je n'ai pas le temps des procédures. I don't like it. Like, why would I not, like, you know, les procédures, je les aime pas. Bon. Donc, si vous avez, si vous connaissez une agence de voyage, si vous me donnez le contact, comme ça, je l'ai... Je communique avec eux. Donc, je parlais de la dame sur qui je travaille. Allô? Allô? Oui. Non, j'aurais pu partir comme ça, tu sais. Oui, oui, mais si t'es déjà monté, ça va. D'accord, pas de soucis. Bon, je sors en même temps. C'est 7h30, donc il faut qu'on y aille. Ça marche, merci. Muller Esther, oui. Si tu es en Angola, tu peux faire un Western Union, quelque chose comme ça. Les personnes qui ont des ministères. Que Dieu a amené vers moi. Vous allez m'excuser, hein. Je vais ouvrir la porte. Parce que j'ai un rendez-vous quelque part là. Vous allez signer un contrat ce matin, donc. Même pas encore monté avec ma valise. Ok. Merci, bonjour. Ok, you're a single mother of two in a four bedroom house. You say I'll have my own room. Thank you, that's so nice. Celle qui est ici, là, qui est en Angola. Si tu veux avoir. Vous allez m'écouter, elle va me changer. Donc, j'ouvre ma valise. Ok, donc, tu vas payer. Il y a des formations que je vais t'envoyer. J'ai des formations préenregistrées. Mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Je n'aime pas contact mes choses. Le truc, c'est que quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, la plupart du temps, vous attendez. Et c'est dans l'attente là que l'ennemi vous attrape. Quand tu vois quelque chose et ça te parle, achète, saisis, fais. Parfois, vous attendez trop. Que j'attends la confirmation de Dieu. Non. Vas-y.
délicats. Actuellement, Dieu parle aux choisis et les choses qu'il leur dit, elles doivent être faites immédiatement. Donc, vous n'avez pas le temps d'attendre. En fait, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Parfois, vous pensez que vous avez tout le temps, mais vous n'avez pas tout le temps. Tu peux avoir des ralentissements, mais tu ne t'arrêtes pas. Les ralentissements viendront, c'est inévitable. Tu dis, ah, si, la valise est là. Comment j'ai économisé pour acheter la valise ici? Le moment est toujours bon. La seule différence, c'est ta préparation énergétique. Parfois, on doit prendre du temps pour te préparer. Peut-être te préparer à ce que tu n'es plus un problème avec la solitude. Il y en a parmi vous que vous n'êtes pas prêt à être seul. Vous n'êtes pas prêt. Être une mère célibataire, par exemple, ce n'est pas un défaut. Donc voilà l'habit que j'ai porté. J'aime beaucoup le ndopé. Chauffeur est en bas. Patientez juste 2 minutes. Je vais reprendre. Oh, je ne sais pas. Je reviens tous les façons. Je vais prendre le petit déjeuner ici. Ok. Non. C'est la réceptionniste. Ok, c'est bon. Bon. Ce que je disais, c'était.
vous devez absolument être sûr, premièrement, des personnes qui vous parlent. Et je vous ai déjà expliqué que ce sont vos guides. Et quand le guide est en train de te donner une instruction, tu ne dois pas te dire que... Allez, mets ma ceinture. Tu ne dois pas avoir peur. C'est ce qui a souvent la peur qui régit le cœur des gens. Et ils vont toujours t'approvisionner. Ils vont toujours donner les personnes appropriées. Ils te donneront les employés. Ils te donneront les ressources financières. Et c'est comme ça. Ça ne sera pas vert tous les jours. Dans le sens où c'est pas tous les jours que tu vas être sûr. Genre, je suis convaincu que je suis appelé. Et ces périodes de doute, c'est surtout pour que tu sois sûr que tu veux les servir. Est-ce que je veux faire accomplir ma mission? Est-ce que je veux faire ce qu'on m'a dit de faire? Dès que tu es sûr, là, on peut bosser avec toi. Parfois, on t'a demandé de laisser un boulot ou bien d'arrêter quelque chose pour te concentrer sur ta mission. Ah ouais, je vais vous parler de l'histoire de cette dame-là qui... Donc l'autre jour, elle a une association. Elle a pris du temps, mais elle a finalement accepté de laisser son travail dans lequel elle touchait bien, elle gagnait bien sa vie. Et elle a commencé donc son association. Elle a continué son association, on va dire. Donc, depuis déjà 3 mois. Ça ramait. Elle manquait de subventions. Ça n'allait pas. Et même les employés. Parfois, tu peux être appelé à faire quelque chose. Tu as un orphelinat, tu as une association, tu as un truc qui aide les gens. Malgré, donc, dans cette initiative, on vient pour te bloquer. Donc, c'est ce qu'elle avait eu. Elle ne blague pas avec ses bains de pipi. Elle ne blague pas avec ses bains de sel. Donc, le week-end passé, je crois que depuis au moins 2 semaines, j'ai commencé à travailler sur... L'ennemi attaque vos missions de vie. Il ne blague pas avec lui. Si c'est que tu vas, dans ton association, tu vas aider 100 personnes par an. Si c'est que si te touche toi la tête, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'elle se retrouve. Normalement, il y a un raccourci ici. D'accord. Travailler. L'employé qui dérangeait a démissionné. Il démissionne. Une semaine plus tard, 2 subventions qu'elle attendait. Parce que le problème de choisir quand vous voulez aider les gens, c'est que parfois vous vous dites que ça va se passer aux propres finances. On veut d'abord ta disponibilité, ton obéissance. Je connais beaucoup de personnes qui ont créé des associations. Parce que pour faire une association, peu importe le pays, il te faut un bureau. C'est pas une seule personne. Tu as commencé avec des gens. Après, ces gens-là ont commencé à te faire du chantage. Ou ces gens-là sont partis. Mais mamie, est-ce que tu vas partir aussi? Tu ne peux pas laisser. Bonjour Annie. Tu ne peux pas laisser. Dieu qui t'a appelé là, il va confirmer son appel. J'ai pas encore vu quelqu'un qui... manque d'approvisionnement. Même si c'est à la dernière minute que l'argent arrive. C'est tout à l'heure de monter de passer. Ok, pas de problème. Et croyez-moi, tous les choisis ont dans leur appel du caritatif. C'est juste que ça peut diverger. Peut-être que tu veux aider les vieilles mères, ou bien tu veux ouvrir un centre gériatrique, nous c'est gériatrique, hein, où tu vas aider les vieux pères, tu vas aider peut-être les orphelins, les veuves, tu vas aller normalement comme ça.
plus ton GPS, ça va, il ne parle plus. Ce n'est pas évident. Ça fait 5 ans que tu fais ton anniversaire avec les orphelins. Waouh. Et les gens t'aident à le faire chaque année. Tu vois que c'est dans ton sang. En fait, beaucoup de choisir, c'est des gens que, même avec leur propre argent seul, ils partent souvent aider les orphelins. Tu vois, il va te dire que tous les semaines ou bien tous les mois, je fais telle chose là-bas. Oui. C'est déjà en vous. C'est juste que maintenant Dieu va apporter. Maintenant, l'étape où tu quittes de seulement faire ton anniversaire à faire quelque chose de sérieux. Cette étape-là est en train d'arriver. L'association que j'ai créée maintenant, on est presque en retard. L'association que j'ai créée maintenant, c'est depuis 2019 que je pars dans les orphelins. Depuis 2019. C'est en 2023 que j'ai créé l'association. Et mon association aide les orphelins et les associations. Donc, si on voit une association qui a une bonne cause, qui est en train de faire un truc, on les aide à faire leur tour. Parce que, surtout en Afrique, c'est pas évident pour les associations parce que Tu as toujours l'impression qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Même les orphelinats. Tu vois un orphelinat qui a ouvert. L'État connaît qu'ils existent. Mais où sont alors les subventions? Et ça pèse. Donc quand tu es. Et il faut que tu sois déjà quelqu'un qui a commencé à le faire. Il faut que tu sois quelqu'un qui a commencé à le faire déjà. Toi-même. Pas qu'on t'a forcé. Ça doit être quelque chose que tu fais déjà régulièrement. Tu vas aller à gauche, non? Et le choisi doit commencer quelque chose, même s'il est seul dedans. Écoute, le témoignage que vous avez vu de moi. J'étais dans mon bureau seul. J'étais seul. Je ne travaillais avec personne. Vous voyez pas qu'en plusieurs années plus tard, je suis avec plusieurs personnes dedans. J'étais une place. Et il y a beaucoup de missions de vie qui se découvrent quand on aide. Si tu n'as pas d'abord cette intention d'aider les gens, tu ne peux pas découvrir ta mission de vie. Tu ne peux pas. C'est en partant à aider que tu te dis que, ah tiens, mais j'aime aider les enfants. Hein. Quand j'aide les gens, des enfants, il y a un truc, je me sens bien. Tant que tu ne fais pas une fois, non. Et ce qu'il y en a ici, là, vous n'avez jamais été dans un endroit pour aider. Jamais. Malheureusement, en Afrique, on a grandi en regardant seulement les gens qui. Vous partez donner le riz aux orphelins, vous vous filmez avec eux. C'est tout. Un orphelin n'est pas un démuni, c'est pas un handicapé. Même un handicapé n'est pas un sous-humain, c'est un humain. C'est moi qui ai parti de son corps. Il ne fonctionne pas comme toi. Mais son esprit fonctionne. Donc, amenez souvent vos enfants, ils voient comment.
là que vous découvrez. C'est quand tu es sur le terrain que tu découvres. Quand il voit souvent quelqu'un, je vais découvrir ma mission de vie. En tout cas, j'en parle dans ma formation. J'en parle dans ma formation. Formation, mission de vie, tu dois aller te lancer. Aide. Qu'est-ce qui te vient le plus vite à l'idée? Commence par ça. Merci pour les cadeaux. Vanessa. Voilà les routes, voilà les routes. Voilà. Dans la voiture, tout. On te secoue, tu. Si tu avais une maladie due au secours, c'est que les gens de Douala ont ça. C'est que tout le monde marche en tremblant comme ça.